Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, une grosse vidéo où je vais essayer d'être le plus complet possible en ce qui concerne la All-Star Division 4. Donc je vais essayer aussi de répondre à la plupart des questions qu'on me pose le plus souvent. Si vous n'êtes pas inscrit sur Sorar, que vous voulez gagner une carte cadeau, il faut passer par un lien de parrainage pour vous inscrire. Le mien donc est juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez la moindre question. Tout de suite, on va vraiment aborder tout ce qu'il y a à savoir pour commencer à scouter et à jouer la team All-Star Division 4, la team palier comme j'aime l'appeler. C'est parti! Donc pour reprendre déjà quelques bases, la All-Star Division 4, donc c'est une division rare comme vous le savez. Donc on va aller dans jouer, hop, là j'ai mis les Game Week à venir pour vous montrer vraiment laquelle c'est. Toutes les raretés, je vais juste garder les rares du coup. Et c'est la All-Star, juste celle-ci, juste là. Donc c'est la seule division où vous pouvez gagner des Ethers en cash. Donc le palier 1, c'est 205 points avec votre équipe. Donc si vous faites 205 points avec vos 5 joueurs, vous gagnez 25$ convertis en Ethereum du jour, donc, mais ça sera 25$. Si vous arrivez à faire 250 points ou plus, ça sera 50$. Donc c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça les paliers. Voilà, c'est des paliers de points. Et c'est uniquement valable dans cette division-là, donc dans la All-Star Division 4. Dans les autres, il n'y a pas de palier comme ça. Il y a juste les trois premiers qui touchent des grosses sommes en Ether, donc sur le podium. Mais sinon, c'est vraiment la seule division sur Sorar qui vous permet de remporter donc, de l'argent cash, entre guillemets, à chaque Game Week. Vous pouvez aussi gagner bien sûr des rewards, donc par exemple si vous faites, je crois que c'est environ 340-350 points, vous pouvez gagner, commencer à gagner des cartes, donc ça sera une T3 dans ces points-là. Si vous montez, vous gagnerez des encore plus belles cartes, et bien sûr vous gagnerez également le palier. À partir du moment où vous franchissez les paliers de points, 205-250, vous prenez le palier associé. Donc pour participer, c'est comme les autres ligues, c'est assez simple, il vous faut 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu attaquant, et un extra. Et du coup, alors les extras, avant j'aurais plus tendance à conseiller un défenseur qui était plus stable, mais avec le nouveau scoring je vais plus conseiller maintenant un milieu. L'attaquant c'est le plus cher, le défenseur maintenant avec les malus de points au niveau des buts, ça devient un peu compliqué d'avoir des défenseurs avec des bons rapports qualité prix qui vont faire des jolies perfs. Donc je pense que le milieu c'est le bon compromis pour avoir un joueur avec un bon rapport qualité prix qui fera des scores assez sympas. Donc du coup, en gardien, ça c'est une précision parce que je reçois souvent la question, vous pouvez aligner des gardiens qui ne jouent pas, qui ne sont pas couverts, qui sont à la retraite, ce que vous voulez. Ça vous permettra d'aligner une équipe, même s'il vous fera 0 points, voilà, au moins vous pourrez la jouer. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Je vous conseille plutôt de vous diriger vers des gardiens, des jeunes qui ne jouent pas, qui sont même 3e gardien ou qui sont dans des championnats non couverts, parce que vous aurez un espoir que dans sur le long terme, eh bien, qu'ils puissent peut-être jouer un jour, qu'un gardien assez vieux où sa carrière sera finie, et là par contre il y a zéro espoir. Donc du coup voilà, donc vous allez voir, bon là je vais aligner un peu n'importe quoi, mais vous pouvez aligner voilà ce que vous voulez, les joueurs du monde entier que vous voulez. Donc là je peux aligner des Américains, des Européens, des Asiats, des Ligue 2 même maintenant. Donc vous pouvez vraiment aligner ce que vous voulez. Le capitaine comme dans les autres divisions vous rapportera 20% de points en plus, donc c'est super important de bien choisir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si pour les rewards, donc je vous en parlais juste avant, les rewards, les trois dernières game week, il a fallu 347 points, 345 points et 341 points pour atteindre une T3. Donc une T3. Donc j'ai pris les trois derniers week-ends, j'ai pas pris en midweek. Donc il faut à peu près ces scores-là pour atteindre une T3. Donc après, si vous faites plus vous faites, mieux ça sera. Vous aurez T2, T1, etc. Et en plus de ça, vous aurez le palier, donc ça sera vraiment tout bénef. Petite précision, comme vous le savez, les cartes rares, on est censé en avoir 100. Sorar est censé en sortir 100 par an, mais elles ne sont pas toutes éditées, ils ne sortent pas. Ils régulent en fonction du nombre de managers et du marché. Donc voilà, c'était une petite précision que je voulais apporter aussi. Et on peut voir sur Sorar Data, vous allez sur Market Chart, et vous pouvez voir que tout en bas, eh bien, vous avez le nombre de participants à la All-Star Division 4, vous pouvez classer ça par n'importe quelle division, mais là j'ai été sur la team palier du coup. Et donc on peut voir que depuis le début d'année, ça monte, on est passé de 15 000 à 17 558. Le record c'est 19 387, c'était il y a quelques temps déjà. Mais on peut voir que j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de monde qui sont en train de se diriger vers ça pour le niveau de la rentabilité. Forcément vous allez moins vibrer qu'en limited avec des joueurs que vous connaissez, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais après, niveau rentabilité, je pense que c'est sur le long terme, c'est le meilleur investissement. La All-Star Division 4, c'est sûrement la seule division où il y a deux stratégies bien distinctes. C'est vraiment deux stratégies différentes d'aller chercher les 250 points le plus possible et d'aller chercher 350 points, voire plus, pour avoir de belles rewards, vraiment avoir une équipe compétitive. Ça va être
un beaucoup plus gros budget. Après, voilà, forcément, les récompenses vont avec. Une équipe rare, là, l'équipe rare que vous allez mettre en place, que vous allez scouter à partir du moment où vous allez commencer à vous tourner sur ça, forcément, ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une team limited. Déjà, au niveau des offres, il y en a beaucoup moins, le marché est beaucoup moins liquide, ça, vous le savez. Donc, il va vraiment falloir prendre son temps, vérifier un petit peu tous les jours ce qui se passe sur le marché par rapport aux joueurs que vous voulez. Comme d'habitude, de mettre l'alerte, de mettre les notifications. Mais des fois, ça peut arriver que vous ayez un joueur où il n'y a pas d'offre, tout simplement, où il y en a une qui est deux fois le floor price ou deux fois la dernière vente. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, parce que c'est reste un gros investissement quand même. Et pour faire les choses bien, voilà, il faut vraiment prendre son temps. Ça peut arriver que vous restiez sur un joueur plusieurs jours avant de l'avoir. Mais c'est important, voilà, d'être patient pour ne pas surpayer non plus votre équipe. Voilà, donc calculez le nombre de game week que vous allez avoir. Essayez de prendre, dans la mesure du possible, des joueurs du même championnat ou sinon des joueurs qui jouent en même temps pour avoir le plus de game week possible, c'est quand même important. Comme je vous l'ai dit juste avant, le choix du capitaine est aussi super important. Donc voilà, faites votre plan de bataille vraiment avant de vous lancer pour que vous soyez armé pour bien choisir vos joueurs et sur l'année d'avoir un bon retour sur investissement. En moyenne, chaque joueur devra faire 47 points en comptant le capitaine et ses 20%, donc en comptant également le gardien. Donc vous connaissez, c'est soit le clean sheet, soit pas. Donc on va pas chercher des joueurs, là on va les scouter ensemble, on va pas chercher des joueurs qui font des gros écarts, on va chercher des joueurs qui ont une moyenne assez lissée, une moyenne sympa. J'ai essayé de trouver des joueurs de qualité, j'ai fait pas mal de recherches, donc vous allez voir. Aujourd'hui je vais vous en présenter une équipe, mais dans les jours à venir je vais vous en faire 2-3 aussi, 2-3 autres. J'ai vraiment scouté plusieurs équipes à vous présenter, donc voilà, je vais vous faire ça en plusieurs vidéos. Donc par exemple demain ou après-demain j'en ressortirai une autre avec une autre team palier Europe, je fais que des... Sur les championnats européens, c'est fait exprès parce que l'Asie, il reste 6 game week, la MLS, il en reste 9. Donc voilà, j'ai voulu me fixer, c'est un peu plus cher forcément. Mais voilà, au moins vous pourrez jouer sur toute l'année avec ces joueurs-là hors Coupe du Monde. Et le premier, alors c'est un des moins chers que j'ai trouvé. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à sa place parce que ça sera assez solide. Donc il a 32 ans, il joue à Rostock, une équipe plutôt du bas de tableau. C'est le capitaine de son équipe, donc c'est quand même un gage de qualité. Le floor price est à 0.7, c'est beaucoup trop. Là, il n'y a eu qu'une vente, comme je vous l'ai dit, le marché est beaucoup moins liquide. Donc 0.482, je pense qu'on peut juger du 0.5-0.550 éventuellement. Ce n'est pas un gardien de fou, mais c'est un gardien qui fait le job, donc ça va être à peu près ces prix-là. Donc il est arrivé à Rostock en 2019-2020, il a vécu la montée après l'année d'après. Donc il est toujours titu, il restera titu pour moi cette année. Comme je vous l'ai dit, c'est capitaine, donc c'est quand même voilà, un signe fort. Et il a juste fait une petite bourde. Après, comme vous pouvez voir, le SO5, c'est pas mal. C'est 70+ sur certains CS. Dernièrement, même là, en encaissant 2 buts, il fait quand même un score de 55, ce qui est vraiment très bien pour une team All-Star. Là, le 5, je vous montre ça juste là, la vidéo, pourquoi. Bon, ça peut arriver de faire des erreurs comme ça. Il était un peu ailleurs, je pense, sur le coup. Mais voilà, tant que ça ne se produit pas à chaque match, ça va. Donc voilà, Marcus Kolke. Comme je vous le répète, c'est des idées pour vous donner des idées à peu près du budget qu'il faut pour un gardien. Je le trouve pas mal, il y a sûrement mieux, il y a moins bien aussi. Et dans les jours à venir, je vous montrerai d'autres équipes différentes avec des meilleurs gardiens ou peut-être moins bons, suivant le budget qu'on se sera fixé. Mais voilà, donc pour aujourd'hui, je prends Marcus Kolke comme gardien de Rostock. Et puis on passe tout de suite au défenseur. Et en défenseur, alors vous verrez dans les autres équipes, j'ai vraiment... rechercher, j'ai vraiment trouvé pas mal de bonnes cibles je trouve, mais là aujourd'hui je vais prendre Bardrient, donc c'est défenseur central du Sparta Rotterdam. Alors c'est une équipe qui est vraiment pas fou, mais lui est très régulier et pour son prix, donc le floor price est à 0.717, et pour le prix je trouve ça super intéressant, et niveau du SO5 ça va vachement plus parce qu'on est vraiment dans ce qu'on cherche au niveau de la moyenne, une moyenne super lissée, quasiment toujours au-dessus de 50, donc pour le prix c'est super intéressant, je trouve même avec le nouveau scoring ça tient vachement la route, et il reste sur deux très beaux scores. Et au niveau du calendrier, bon là il tape Feyenoord ce week-end, donc la game week est déjà validée, mais derrière c'est Groningen, Valvik, Emmen, NEC, Utrecht, Fortuna, donc il y a des excellents match-up qui arrivent pour lui, 31 ans, c'est vraiment un titu de base dans cette équipe. Comme je vous l'ai dit, qui n'est pas fou, mais niveau budget, on est vraiment bien sur un joueur comme ça. Donc, c'est lui que je voulais sélectionner aujourd'hui. En milieu, c'est pareil, c'est pas celui que j'ai le plus creusé, mais je le trouvais pareil et super intéressant au niveau de son SO5. C'est Sean Goss de Motherwell. Et on peut voir donc, du coup, qu'il a des très bons. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi, c'est vraiment les SO5 qui me plaisent. C'est vraiment des trucs super lissés.
On voit qu'il fait rarement en dessous de 50. Voilà, par exemple, les 5 derniers matchs, c'est quand même vraiment pas mal. Il fait deux petites passes D avec toujours des petits all-around autour de 15-20. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Après, c'est encore une fois une équipe pas folle. Forcément, s'il serait dans une équipe forte, ça serait deux fois le prix. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment la régularité dans une moyenne. Pas non plus des écarts. Voilà, pas un mec qui est capable de faire des 90. Ça, c'est vraiment si vous voulez aller taper des rewards. Le floor price est à 0,0925, mais la moyenne des 3 jours, c'est 0,0880. Donc, je trouvais ça vachement intéressant. Après, je le connais pas. C'est pas un jeu. Les coachs, je suis pas énormément, mais je trouvais que c'était une cible vachement intéressante pour une team palier. Donc, il y en a 3 en vente, dont 2 qui sont assez rapprochés. Il y en a un qui est parti hier à 0,925, comme le floor price. Mais je pense qu'il faut plus se rapprocher des prix si vous attendez milieu de semaine. Ou dimanche, lundi, je pense qu'il y aura voilà, des affaires comme ça à faire. Oh, on peut voir 0,636, vous voyez, un peu plus d'une semaine. Il y a une semaine, pareil, ça s'énerve à chaque fois, juste avant la game week. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Sean Goss, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Ah, je vous en montre un autre petit, c'est vrai que j'aurais pu faire pareil en défense, même en gardien, parce que j'en ai pas mal. C'est Nicolas Hoffer, là, je ne vais pas déblatérer parce que vous le connaissez, c'est... Milieu de terrain de Fribourg qui fait l'Europe, qui a un titre de base également, qui est au club depuis très longtemps, je ne sais plus exactement depuis quand, il peut jouer central et défensif, au club depuis 2013, voilà, donc je l'avais noté, donc c'est vraiment, il fait partie des meubles comme on peut dire. Après il est un peu plus cher à 0,136 parce que ça fait la Coupe d'Europe, après si vous avez qu'un joueur qui fait la Coupe d'Europe, ça ne sert pas à grand chose. Donc vaut mieux se diriger sur une cible qui joue que les week-ends et qui sera forcément moins cher. Et pour l'attaquant, c'est pareil, j'ai choisi un joueur où je suis sûr qu'il va être titulaire, capitaine de l'équipe de Valvic. Forcément, bon, vous le savez, c'est pas, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pas des équipes de fous. Mais c'est des joueurs qui sont sûrs d'être titulaires et qui peuvent faire des bons scores, vous pouvez voir. Quand ils perfent, c'est super bien, ça va même limite combler, c'est impossible DNP, même s'il faut éviter. Et quand il fait 45, on prend quand même. C'est quand même pas mal pour un attaquant. Et on est sûr qu'il titue. Donc quoi qu'il arrive, à part blessure et suspension, il nous rapportera des points. Donc c'est solide. Michel Kramer, il est au club depuis, j'ai pas noté, mais je pense que c'est pas mal de temps. Je sais plus exactement. On va aller voir ça ensemble vite fait. Ah non, il est au club que depuis 2 ans. Avant, il était à Den Haag. Ok, d'accord. Donc il est au club depuis 2 ans. Mais bon, c'est le capitaine, c'est solide et ça bougera pas. Donc c'est le genre de joueur qu'on veut en attaque. À ce prix-là, c'est du 0,135 le floor price. Je sais que ça s'est énervé juste avant la clôture de Game Week. À 0,140, ça s'est énervé. Bon, la carte 2022. Donc voilà. Après, il y a 3h120, 0,123. Donc on se rapproche plus de ces prix-là. Moi, j'avais vu à 0,119, quelque chose comme ça, quand j'avais scouté. Donc c'est vachement. C'est pour moi un bon rapport qualité-prix au niveau d'un attaquant qui va jouer toute l'année hors Coupe du Monde, comme d'hab. Dans une équipe, comme je vous répète, qui n'est pas fou, mais au moins voilà, on cherche un bon SO5 score en moyenne et titu sûr. Et si je voulais vous présenter aussi, parce que je vous ai présenté son pote, c'est Vito Van Kroeg qui joue au Sparta, donc Rotterdam, encore une fois une équipe pas fou, un peu plus cher, 0,150 en moyenne sur les 7 derniers jours, mais voilà, c'est un LKS de 53, et je trouve que voilà, c'est pareil, c'est pas mal du tout, c'est titu. Au Sparta, mais voilà, je voulais vous partager aussi parce qu'avec Bart Vrient, ça reste des bons rapports qualité-prix. Un attaquant titulaire en Europe, ça va être minimum 0,1 si c'est titulaire. Après, vous pouvez trouver des joueurs remplaçants, même qui vont passer titulaire, ça si vous arrivez à bien scouter. Mais en dessous de 0,1, ça sera compliqué de trouver un attaquant titulaire qui ait une bonne moyenne de score. Et pour l'extra, alors vous avez l'embarras du choix pour l'extra. Après, j'ai pas donné toutes mes cibles, comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo, plusieurs mêmes autres vidéos avec des teams paliers. Et c'est Jason Holt, donc c'est Jason Holt de Livingston. C'est alors un joueur de 29 ans. Livingston, encore une fois, c'est pas une équipe de fou, mais voilà, j'ai adoré vraiment son graphique au niveau des scores parce que c'est super régulier, c'est titulaire. L'Écosse, c'est un peu comme la Turquie, il y a vraiment des bons rapports qualité-prix à trouver. Je suis plus attiré par l'Écosse. Moi, la Turquie, c'est vrai que je connais pas du tout. L'Écosse, je connais pas énormément non plus. Mais il y a vraiment énormément de rapports qualité-prix. Donc c'est un joueur qui est capable de jouer milieu défensif et milieu central. Donc je trouve intéressant. Et pour le prix, 0,0787 en moyenne sur les 3 derniers jours. Vraiment éviter en rare. Après, je vous répète, bon, après Unlimited, c'est peut-être pas pareil. Il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Mais en rare, ne vous fiez pas au floor price. Fiez-vous vraiment aux dernières ventes. C'est ça le plus important.
Vous pouvez le négocier, mettre la petite alarme, essayer de jauger par rapport à ça. Si vous allez chez Pavel Trader, s'il n'a pas listé, il ne va pas forcément prendre le floor price, mais la moyenne des ventes sur les 3 derniers jours, sur les 7 derniers jours. Donc voilà, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, de ne pas les surpayer au floor price. Les gens en général mettent assez haut. Essayez de négocier, essayez de parler avec sur Discord, voir s'il y a moyen de s'arranger, de se rapprocher des prix des dernières ventes. Mais voilà, donc faites attention à ça, n'allez pas surpayer un joueur juste parce que le floor price est haut. Donc voilà, pour finir, donc cette team en extra, on va prendre donc Jason Holt et on va voir tout de suite à peu près combien ça coûte. Je vous le répète, pour l'extra, privilégiez maintenant avec le nouveau scoring, je pense que c'est le mieux. Un milieu, c'est niveau rapport qualité-prix, ça va être le mieux. Donc voilà, j'ai fait la petite simulation par rapport à l'équipe sur le site SolarBase, très bon site. Donc en alignant les 5 joueurs que j'ai sélectionnés aujourd'hui, donc on a une team palier à 0.871 avec le gardien. Donc après bon voilà, faudra toujours comme d'hab prendre la profondeur. Et on peut voir que sur les 5 premières game week, donc les autres je descends un petit peu pour vous montrer. Les autres n'ont pas joué donc tous en même temps. Donc depuis que tous les championnats en commun ont commencé, la première on aurait fait 314, on aurait pris le palier 2. La deuxième 224 palier 1. Troisième 302 palier 2. 289 pour celle d'ensuite palier 2. Et la dernière 345. Donc on était vraiment pas loin d'une reward, voire une reward avec le palier 2. Donc c'est des joueurs qui sont capables, comme vous pouvez le voir, d'aller chercher quand même des très gros scores et qui seront vraiment capables très régulièrement de faire les paliers 2, si ce n'est quasiment tout le temps, au moins le palier 1. Donc là déjà, en 5 game week, vous avez commencé à bien rentabiliser la team et même rembourser certains joueurs, faut aussi le voir comme ça. Si vous avez des joueurs qui surperforment sur 2-3 game week d'affilée, vous voyez le prix exploser. Moi c'est ce que je faisais avant, après libre à vous, hein. C'est que je le revendais au prix fort quand il y a une grosse hype, j'en rachète un qui est un peu en sous-perf ou un peu moins cher, et ainsi de suite. Comme ça à côté, ça vous fait aussi des bénéfices et vous pouvez monter petit à petit comme ça. Donc voilà, ma team, je la trouve vraiment sympa pour en tout cas très bon début de saison. Vous voyez que pour avoir le palier 1, Vrienne ça fait 20 et le gardien Kolke a fait 5. Donc à côté, voilà, Jason Holt et Sean Goss, les deux écossais, ont perfait et ont rattrapé ces points là. Mais voilà, donc si Kolke avait fait un petit CS au dernier game week, eh bien ça aurait fait vraiment une reward plutôt même sympa à 365-370. Ça aurait fait, je pense, une T3. Mais une T3 milieu de tableau. Donc ça aurait été plutôt pas mal. Après, faudra améliorer au fur et à mesure avec les paliers, les ventes des joueurs. Petit à petit, ça se fait pas. Voilà, comme on dit, Rome, c'est pas fait un jour. Donc ça sera petit à petit. Prenez votre temps. En même temps, voilà, vous allez kiffer. Et de savoir voilà, que vous gagnez quand même des paliers. Vous en faites ce que vous voulez avec. C'est pas des petites T3 à 2-3 euros. Même si c'est vrai qu'en limited, on peut des fois choper des cartes énormes qu'on peut en vendre bien cher. Là, vous savez que vous avez une rentabilité qui est régulière et vous avez des joueurs voilà, solides. Et puis, ouais, voilà. Bon, c'est vrai que je ne suis pas non plus super objectif parce que je me sens mieux sur le marché des rares. Je connais plus le marché des rares. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire pour comme ça, tout le monde ait la réponse si les gens se posent la question. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter en message privé. Je réponds à tout le monde. J'essaie d'aller au plus vite. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis peut-être à demain ou après-demain pour vous présenter une nouvelle team palier comme celle-là. Salut !